bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de la semaine qui a été marquée par deux faits de violence scolaire. Une fille s'est retrouvée dans le coma du côté de Montpellier et le lendemain, à Vitry-sur-Seine, un enfant a trouvé la mort. Tous les deux ont été passés à tabac. Le garçon de Vitry-sur-Seine a été tabassé pour un regard, discuter avec une fille. Et la veille, Samara a été passée à tabac parce que maghrébine élevée à l'européenne. Pour cette dernière, un problème majeur se pose. Sa mère, le matin, prétend que la raison du passage à tabac est religieux, car c'est une femme, une fille, une famille assimilée, intégrée à la société française. Et le soir, cette maman passe chez Hanouna. Elle récite un texte, non pas appris par cœur, mais écrit sur un portable. Sujet, pas de cause religieuse au passage à tabac. Ce serait les réseaux sociaux, tout ça, qui serait en cause de produits de harcèlement, 2.0. Alors ceci, là, pour cette dernière, ça pose un problème, car on se pose évidemment des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre le matin et l'après-midi? Le matin prétend que c'est pour des raisons religieuses, l'après-midi, non, pas de raisons religieuses. Est-ce que c'est la production de TPMP qui a imposé ce texte? Est-ce la justice? Est-ce un imam? Le gouvernement? Pourquoi pas? Pourquoi une année, tu vois? Pourquoi pas, tu vois? Ou son avocat? Est-ce fait au nom du pas de vague? Pas d'amalgame? Pas de récup de l'extrême droite? Etc, etc, etc. On peut toujours parler, ergoter sur ce qui se passe. Ceci entretient en fait toutes les théories du complot. Et vu le caca dans lequel notre pays est, ça n'entretient pas trop la sérénité de notre pays. Qui plus est, j'ai appris, alors un truc qui n'a rien à voir avec les deux sujets précédents, mais qui montre bien à quelle époque on vit. J'ai appris que lors d'un conseil municipal de Toulouse, le cassoulet, le simple plat, ben en fait c'est raciste. C'est raciste parce que ça a de la couenne dedans et c'est pas bien. C'est mal. Voilà où en est la France en 2024. On nous inquiétine pour un plat. Vous mangez du cassoulet. Parce que vous avez envie, parce que si vous êtes musulman, vous n'avez rien à faire de l'islam, vous mangez cassoulet, ou tout simplement, même pas sans être musulman, si vous avez envie d'en manger, ben vous êtes raciste. C'est un manque de respect pour, je sais pas, l'islam. Voilà, donc un musulman, s'il n'a pas envie d'en manger parce qu'il y a de la couenne, du porc, il n'en mange pas. Sinon, il peut faire, considérer la appropriation culturelle, mais pourquoi pas? Il peut faire cassoulet version musulmane, ou maghrébine, ou arabe, ou iranienne, ou afghane, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est raciste, il ne faut pas manger. Voilà où on en est en 2024 en France. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. Pendant les congés, je ne ferai pas de vidéo, ça reprendra à la rentrée. Merci beaucoup de m'écouter et n'oubliez pas de rajouter un pouce ou de faire des commentaires. Au revoir!